Hey les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Pokémon Jaune. Alors dernièrement, nous avons été à la Sylph-Sarl, donc faire fuir la Team Rocket qui justement maîtrisait tout le secteur de Safrania. Donc ils avaient fait une invasion. Donc nous avons battu Giovanni et ses sbires. Donc maintenant nous allons en direction de Parmani pour affronter le champion de l'arène. Et ce qui est bien, c'est que nous allons passer par la piste cyclable. Voilà, déjà on tombe sur le premier motard, enfin il s'appelle, ils aiment bien s'appeler motard. Ok, motard veut se battre. Motard fait appel à Grotanmorph, d'accord. Forcément. Oh là là, ça va être une galère. Oh, Lilliput, c'est le truc qui casse la tête. Oh, c'est chaud. Voilà, ça c'est fait. Voilà, il n'avait qu'un Pokémon. Gnac, j'ai crevé une roue. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? Il y a un cuisinier. Ah non, j'ai pas, désolé. Et voilà, nous voici à Parmani. Alors, l'arène, on va directement à l'arène. Avant, on va soigner les Pokémon.
Bah oui, il m'a déjà montré tout ça. Oui, je connais. Bon bah, haha. Donc là, maintenant, nous allons affronter l'arène de Koga. Alors, c'est... Ouais. C'est vrai que cette arène, elle est plutôt pas mal. Je crois que c'est l'une, quand même, l'une de mes préférées, quand même. Dans le jeu. Et vous dites-moi dans les commentaires quelles sont vos arènes, votre arène préférée de la première génération dans Pokémon. Ah, ça me fait rien, Coco. Hein. Quoi? Bah t'as perdu. Je veux être un ninja pour faire ya. Déjà on va voir si t'es un bon dresseur. Ah, soin. Jack Mantel. Ah, ça fait mal. Il m'a pas épargné. Ouais, c'est pas vraiment une très bonne stratégie que j'ai fait quand même. Oh, t'es sérieux, Dracolos? Je veux être un ninja et sauter d'arbre en arbre, comme à la télé, comme X-Sport, le goré d'espace. Ils ont quand même de ces répliques dedans, putain. Arbok, je vais le trucider, mon petit gars. Un petit séisme, allez hop. Allez hop, ça c'est fait. Léviator, Dracolos. Non, on va garder mieux. Les Sabrero. Alors, Ultima Point, ça va. Moi, ça va.
une tranche. Oh putain de merde. Non, on va garder ça. Ah, ça fait mal. Oui. Ouais, c'est bien ce que je me disais. Pas bouger. Nos jolis murs invisibles sont sympas, non? Ouais, c'est sympa, ouais. Ça brève. Empoisonné lui. Allez, tiens, Pikachu. Fais-nous ton plus beau Fatal Foudre. Oh, j'ai fait tourner. Ah, ça le paralyse, c'est bien. Allez, hop. Wouah, tout mort. Koga fait partie d'une grande famille de terribles ninjas. Et toi, d'où viens-tu? Qui es-tu? Pourquoi? Bah, tu vas très vite le savoir. Ah, mauvaise idée, mauvaise tactique. Ah, c'est vrai, psycho, ça me fait pas. Oh, un petit bouclier, tiens. Ah, ok, merci. Oh, vas-y, t'es sérieux? Il me mal. Allez hop, du premier coup. Il y a un peu de lui de même. Défaite. Et là, Koga, un nain ose me défier, moi, le grand, le beau, le terrible Koga. Par l'enfer, par le sang, par l'acier, je vais gagner. Puisse la poigne de mes poissons pétrifiés, mes poisons pétrifiés, de peur, la paix et tes petits Pokémon. Bah, on va voir ça, tiens. Mimito. Ouais, je crois que j'ai peut-être fait une mauvaise idée. Hein. Ah non, c'est vrai que ça fait mal. Voilà, hop, c'est fait, direct.
Ah tiens. Dracolus. Allez hop, un petit Dracourage, tiens. Ah, il résiste, hein. Oh non. Ah, tu oses faire ça, d'accord. Oh non. Voilà, rate pas ça. Et hop, direct. Il m'a quand même... Il m'a quand même vachement empoisonné. Allez, Léviator. Ah non, pas la poudre de dos. Oh non, il va m'achever ça comme ça. Ça veut dire parce que si j'utilise une sorte de potion ou un réveil, je sais qu'il va me refaire attaque. Hypnose. Donc je vais le laisser un peu dormir, histoire qu'il va se réveiller au bout d'un moment, parce qu'il va vraiment prendre des coups. Il va s'apercevoir qu'il est le moment de se réveiller. Allez hop, ça c'est fait. Et là, Aéromite. Eh ben oui, tiens, dis donc. Allez, on va faire tourner Roucarnage. Alors, j'ai cru à Coupe-Vent. Allez, Coupe-Vent. Psycho. Ça fait mal. Donc il prépare attaque plus. Cruel. Ah, il va faire reflet. Oh putain. Du coup il va échouer. Voilà. C'est obligé. Non. Bah c'est parfait. Waouh, elle est cruelle direct. Ouh, il résiste. Ah, il fait reflet. Les malins. Ça va être un bon combat là. Il a échoué parce que c'est normal, l'autre il a utilisé le reflet, du coup c'est un peu... Ah. Ah, vas-y, putain, c'est chaud quand même, hein. Reflet c'est vraiment efficace. Et là il empoisonne parce qu'il joue la carte de l'attaque. Donc du coup il se défend en essayant de l'empoisonner, mais c'est fini, c'est gagné, c'est la victoire. Waouh, tu as prouvé ta valeur. Ouvre ta mimine, car voici le badge âme. Le badge âme fera monter la défense de tes Pokémon. Il te permettra aussi d'utiliser Surf. Attends, prends aussi ceci. Toxique. Cette technique secrète et sacrée est vieille d'au moins 400 ans, je te jure, hein. Enfin, merci pour le tuyau, hein. Par contre, enfin, pour l'anecdote. Bon, bah, voilà, hein. Un badge de gagné. Nous allons soigner ça.
Bon les amis, ici s'achève cette vidéo. Alors si elle t'a plu, tu laisses ton petit pouce bleu, tu commentes, tu partages la vidéo et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche de notification, celle qui t'avertira lors de la sortie de la prochaine vidéo. Sur ce, on se dit à une prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao, la bise.